Rares sont les occasions de monter à bord d'un bateau de pêche et de pouvoir s'entretenir avec son patron. Alors les visiteurs profitent de ce moment pour poser toutes leurs questions. Est-ce qu'ils pêchent ? Comment ils pratiquent la pêche pour essayer de détruire le moins possible de poissons qui sont protégés ? Parce qu'en ce moment, on sait qu'il y a quand même pas mal de problèmes. Donc on essaie de comprendre un peu comme leur technique, leur manière de pêcher. Quoi. Un échange également apprécié par les marins pêcheurs. Sur le chiffre, on a perdu 100 000 euros à cause du gasoil. Quoi. C'est intéressant pour nous d'échanger parce que les gens ont besoin de savoir. On fait quand même un métier alimentaire, donc on pêche ce que les gens mangent. Donc c'est bien de leur faire voir comment on travaille le poisson, comment et la vie qu'on a à bord. De la pêche à la revente à la criée, le travail du mareyeur, nombreux sont les maillons de la chaîne du poisson et Route Pêche permet de tous les découvrir. Pour les professionnels, c'est également l'occasion de faire passer certains messages. Aujourd'hui, 70% des poissons qui sont pêchés sur nos côtes par les bateaux sablés sont exportés vers l'Italie et l'Espagne. Et nous, à l'inverse, on importe du saumon et du cabillaud. Et le but de ces journées-là, c'est de faire voir aux gens qu'il n'y a pas que le saumon, qu'il n'y a pas que le cabillaud. Faites vivre notre filière en consommant des poissons français plutôt que des poissons d'import. Christelle est marieuse et regrette le manque de connaissance du public sur son métier. On se rend compte que finalement les gens ils connaissent le pêcheur, ils connaissent le poissonnier, mais ils ne savent pas ce qui se passe autour. Alors que c'est un milieu où il se passe énormément de choses. Il n'y a pas de marailleur, il n'y a pas de pêcheur, il n'y a pas de pêcheur, il n'y a pas de marailleur. 101, 102, 102, 103, 103, 104, 104, 105. Rythmé par des animations de vente, de démonstration de la SNSM ou encore de dégustation, la journée Route Pêche a, comme chaque année depuis 2004, permis de faire découvrir et valoriser la filière pêche, activité essentielle à la vie économique sablaise.